Allez, salut, c'est Seb, on se retrouve sur F1 24. Je vous avais proposé de vous faire quelques petites courses de mon championnat. Bon, alors mon championnat, je le fais tranquillement de mon côté. Et là, je vais essayer de vous proposer quelques courses en lien avec le championnat actuel. Mais je n'ai pas le temps, je continue mon championnat, donc là du coup je vais vous faire d'autres vidéos plus courtes, mais avec on va dire un parallèle avec la saison actuelle. On est donc sur le Red Bull Ring et il y aura une petite relation, c'est-à-dire que j'essaierai de mettre un lien justement avec le Grand Prix. Et là donc on est donc à bord de la Mercedes de Russell. Donc parti pour 18 tours. On est 13e. Tu peux maintenant utiliser le DRS. DRS disponible. Et on a Ocon devant et Gasly juste derrière. Oh, gros blocage de roue ici. Preuve en est que c'est pas forcément si évident que ça à piloter. Ah, ici il faut se méfier. Et également là-bas tout au bout, il y a un tout petit peu de mal. Elle freine énormément, je trouve. Des pneus ont l'air en bon état. Alors la seule aide que j'ai, c'est l'anti-patinage qui est au niveau moyen. Et déjà là, croyez-moi, c'est pas forcément totalement évident. Elle a pas aimé le vibreur. Deux le DRS, donc c'est pas évident. On va se mettre ici. Et j'ai de nouveau joli. DRS. À le voir, on croirait presque que c'est facile. Allez, P12. Déjà au quatrième tour. On va essayer de se rapprocher de Ricardo qui est juste devant. Allez, on attrape de nouveau le DRS. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand, tu chausseras des médiums. Voici l'écart avec notre coéquipier. 1,8 secondes.
Oh, on est à l'extérieur ici. Ça passe pas. Oh, que ça a touché ici. On remarque de légers dégâts sur l'aileron avant. Ne prends pas de risque jusqu'à ce qu'on le répare. Ouais, il on ne voit faut qu'on pas ici. Et touché. Je le sens légèrement. Allez, cette fois-ci on va plonger. Ta fenêtre de ravitaillement est ouverte. Alors, à mon avis, je peux continuer comme ça. Peut-être pas besoin de changer l'aileron, on va voir ce qu'ils vont me faire. Entre au stand et surveille ta vitesse. On écopera d'une pénalité si tu arrives trop vite. Ne l'oublie pas quand tu arrives au stand. Ouh, le coup de frein ici. Alors là, j'ai failli encore une fois me tuer. C'est bon, tu peux partir. Cet arrêt a pris plus de temps que souhaité. Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir la course avec ces gommes. Allez, on ressort. Dernier. Bon dernier, mais bon, tout le monde n'a pas pité. Hein. Mais effectivement, mon aileron avant gauche. Pas été changé. Pas encore la mi-course. Lewis plonge dans la ligne des stands. Il est au stand. Allez, c'est le moment de voir un peu où on en est. La voiture de devant vient de chausser des pneus durs. Elle a des gommes dures.
Et comme par hasard, on retombe de nouveau sur Ricardo. Bon boulot, tu viens d'inscrire le meilleur tour en course. Allez, on a Tsunoda devant et je suis 15e. Ouais, ça passe pas. Ouais, simulation oblige, vous voyez mes dégâts. Là, du coup, ça va considérablement complexifier la tâche. J'aurais bien mis un top 10, mais là... Oh, il n'a pas DRS devant. Ricardo. Là, c'était compliqué. Yes, bien enroulé. L'accordé n'est pas très très élevé. On peut être pas loin des 70-75. Il va rester les 6 tours, je pense. 10e. Ou alors que là, ils sont à 3. Hamilton là. Ouah, ça double. Ouah, ça va être chaud. Ouah, ça touche l'IA qui se... Allez, on se prend Perez. Enfin, on se prend, il est toujours à ma droite. Hamilton, toujours devant. P9 pour l'instant. Ouh, j'ai failli la perdre. Tu es dans le top 10, continue comme ça. Voilà, en ayant tous les deux DRS, ça va être compliqué. Stroll, qu'il n'avait pas lui, se fait manger. Bravo, tu viens de gagner une place. Il était juste là. Allez, 8e.
Ok, ton retard sur la voiture de devant. 4,0 secondes. C'est Alonso qui est devant, Hamilton, il a toujours le DRS. Il va nous rester 3 tours, je pense. Vous voyez du monde devant. P7 et à mon avis tout le monde devant, c'est le restant de la grille. Allez, on est à 3 tours ici. L'écart avec notre coéquipier est de 2,4 secondes. Ton retard sur la voiture de devant, 2,3 secondes. Surveille tes pneus, surveille tes pneus. Allez, prochaine zone, à mon avis, je vais avoir le DRS. Ouh, le freinage. Les pneus, ça devient compliqué. Dernier tour, on lâche rien. Allez, prochain sur la liste, Sainz. Sur tout cela, je vous dis. Ouh.
Non, je suis trop loin. Bon, c'est une belle course quand même. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss.